Ce qui nous inquiète, premièrement, c'est la décision du conseil départemental qui a décidé d'envoyer nos enfants directement à Balma, c'est-à-dire qu'il n'a même pas donné le choix aux parents. Deuxièmement, c'est qu'on voit qu'on est dans un quartier de 16 000 habitants et bientôt on n'aura plus de collège. Et ça, c'est la première fois qu'en France, il y aura 16 000 habitants sans collège. Et on se demande pourquoi le conseil départemental a pris telle décision. C'est un service public qui ne sera plus dans le quartier. Et ça, c'est du jamais vu. Ça pose la question, bien sûr, des quartiers populaires, de qu'est-ce que c'est qu'une politique d'éducation prioritaire. Les mécanismes de ségrégation, les mécanismes de reproduction, ils sont toujours là. Et c'est pas parce qu'on va déplacer les enfants que ça va se résoudre. Bon, à la limite, on peut entendre, ce qu'on pouvait entendre, c'est que le collège était trop enclavé, qu'il fallait le reconstruire ailleurs. Mais comme disent beaucoup, pourquoi ne pas attendre la reconstruction effective avant de faire tous ces déplacements? Les 200. Je vais te rembourser. Qu'est-ce que j'ai cherché tout à l'heure? Je l'ai trouvé. Nous, quand les gens qui sont responsables de ce projet, ils sont en train de parler, on les écoute, on les regarde, on les observe. Mais eux, c'est comme si ils sont en train de répéter la même poésie ou le même texte. C'est pour le bien de vos enfants, c'est pour le bien de vos enfants. Le collège, il reste ici. Le mépris, ça suffit. Le collège, il reste ici. Le mépris, ça suffit. Le collège, il reste ici. Pour Monsieur Caillot, qui est le DAZN, qui est en gros, qui est en charge de l'éducation au niveau départemental, le fait qu'il y ait des labels REP+, ça ne correspond pas au fait qu'il y ait des catégories socioprofessionnelles pauvres, mais c'est simplement parce qu'il y a des Arabes et des Noirs. Il n'y a pas qu'à Toulouse, en fait, qu'on connaît ce genre de mesure. Il s'agit d'une mesure nationale. Donc voilà, ici, ce n'est pas tellement la question de la mixité sociale qui est un peu un paravent, mais c'est comment faire des économies, en fait, sur l'éducation, comment faire des économies, parce que les établissements REP+ coûtent cher. Non, à ce projet plutôt. Évidemment, aussi, il y a des projets immobiliers et que cet espace qui est proche du centre par les transports en commun, bon, bah, évidemment, ça attire aussi les promoteurs et que du coup, on a vu aussi ça aussi dans les grandes métropoles, c'est de vider les centres et la périphérie pour les repousser, des populations pauvres pour les repousser toujours plus loin. Où est l'égalité quand on nous dit des enfants d'ailleurs? Ça leur fait trop loin, ils ne pourront pas venir ici. Mais que pour les enfants d'ici, ils peuvent aller ailleurs, ça ne pose pas de problème. Est-ce que c'est la fraternité que de dresser les gens les uns contre les autres? Est-ce que c'est la fraternité que de dire, mais les enfants d'ici, ils ne sont pas comme les autres, vous allez les accueillir et vous allez les éduquer? Monsieur Méric met la République en danger. Parce qu'il désigne des ennemis. Il dit, nos enfants, le quartier, c'est l'ennemi de la République.